Bonsoir, quel est le temps des vacances? Je vous en parle tout de suite. Alors sur l'animation satellite, on voit ce front froid qui, à l'approche de la Réunion d'ici vendredi, deviendra plutôt une perturbation. Autour de la Réunion, c'est dégagé. On a quelques nuages de basse couche, mais qui circulent au loin. Pour cette nuit, les nuages qui se sont formés vont finir par se dissiper, laissant un ciel étoilé. Avec la chute des températures, l'un va pas sans l'autre. Ce sont plutôt des brises qui prédominent sur l'ensemble des régions. Demain matin, le soleil sera généreux, le ciel sera beau à regarder. Vous allez pouvoir profiter. C'est rare d'avoir ce genre de carte pour le matin. Au niveau du vent, ce sont plutôt des brises qui prédominent sur l'ensemble des régions, avec de petites accélérations possibles, 40 km/h sur le nord ou encore vers Saint-Philippe. En revanche, demain après-midi, on aura un vent de sud qui rentrera notamment sur le secteur des plages. Pour la mer, ça reste inchangé. On a toujours cette houle australe qui déferle sur les côtes ouest et sud d'1,50 m et une petite houle d'alizée. Je dis petite pourquoi? Parce qu'elle a tendance à s'amortir pour atteindre 1,20 m. Et puis côté ciel, vous le voyez, l'Est n'est pas épargné par les nuages. Net à l'ombrage là-bas, essentiellement, vous voyez sur le quart sud-est. On aura droit à quelques ondées sur les hauteurs du nord et de l'est. Rien de bien significatif partout ailleurs. Le ciel est dégagé. Pour les températures, c'est encore frisqué du côté du volcan. Pas de Bellecombe avec 4 degrés. On attend à l'opposé 28 degrés pour le port ou encore Saint-Gilles et jusqu'à 9 degrés pour ceux qui ont la chance de randonner demain matin au Piton Maïdo. On regarde tout de suite les températures pour demain après-midi. Elles sont encore légèrement en hausse par rapport au normal de saison, mais c'est tant mieux. 28 degrés par exemple au port. On ira jusqu'à 22 degrés au cœur des cirques. Dans les plaines, 19 degrés ou encore 14 vers le volcan, 27 degrés attendus à Piton-Sainte-Rose. Quelle est la tendance pour les jours à venir? Je vous parlais en préambule de cette perturbation, donc pour l'instant front froid, qui arrivera d'ici vendredi en nous apportant un petit peu plus d'humidité. Donc profitez bien de mercredi et de jeudi. Pour les températures, il y a peu d'évolution. Le vent aura tendance à se renforcer pour atteindre des rafales de l'ordre de 60 km/h sur Sainte-Marie et Saint-Joseph. Et on compte également sur l'amplification de la houle australe. Demain, nous fêterons les oliviers, l'arbre de la paix. C'est ce que je vous souhaite. Le soleil se lèvera à 6h56. Il se couchera à 17h51. Très belle soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Je vous fais des piouques. Ciao.